Sophie Fantasy, plus connue comme étant la maman de Swan et Neo, a été condamnée à 3 ans et demi ferme de prison avec son mari. Je vous propose de redécouvrir la vidéo que j'avais faite sur cette histoire. Avant ça, je tiens à rappeler que les enfants Swan et Neo n'ont rien à voir avec cette condamnation. La maman était devenue connue notamment en mettant en scène ses deux enfants, Swan et Neo. Pourquoi il n'y a plus de vidéos sur la chaîne Sophie ? Et elle est en fait accusée d'avoir escroqué 340 personnes avec d'autres individus, parmi eux son conjoint Grégory, au sein d'une agence matrimoniale située à Lyon qui s'appelle Eurochallenge. Qui attendent déjà un heureux événement. Pour le mois de septembre, m'a-t-on dit. Un petit garçon. Alors, est-ce que... Dont elle était la directrice commerciale. Sur un plan professionnel, eh bien, c'est très stable. Elles ont déjà acquis une profession. Elle est également poursuivie pour abus de faiblesse et harcèlement moral. Le préjudice serait estimé à près de 2 millions d'euros. En quoi consistait cette agence matrimoniale? L'agence promettait à ses clients de les aider à rencontrer l'âme sœur en provenance d'Asie, d'Afrique ou d'Europe de l'Est. À Madagascar? Non. Non? Je viens de Côte d'Ivoire. D'accord. Les clients devaient dans un premier temps payer pour voir les photos de leur future femme, sauf que certains clients ont eu la surprise de découvrir que les photos montrées par l'agence ne correspondaient pas aux femmes rencontrées par la suite. Ils avaient également la promesse de partir à la rencontre de ces femmes tout frais payés, mais au final, ils devaient régler leur voyage entièrement ainsi que des dots. Et lorsque les clients n'étaient pas satisfaits du service, ils recevaient la visite d'un huissier pour les dissuader de se rétracter.